Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ça va tranquillou, moins tranquillou, tranquillou. Du coup on se retrouve sur le LP, alors il s'est passé un petit peu de choses, notamment, je m'en rappelle plus si je vous l'avais montré, mais je me suis fait déjà mon premier solar panel et j'en ai fait un deuxième évolué, très chaud à faire, hein, je vous le garantis, au niveau des solars. Celui-là est plutôt simple. Celui-là par contre est plus complexe du fait qu'il y a pas mal de craft en plus. Mais bon voilà. Et ça c'est tout nouveau pour moi, je connaissais pas. Donc du coup voilà. J'ai rajouté dessus, du coup lui produit 40 RF. Le soleil au max. Tranquillou, lui il a 8 RF. 8 RF. Pourtant il a toujours le soleil. C'est bizarre. Des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas. Donc du coup cette fois-ci je laisse auto-alimenter ce petit pépère. Pourquoi? Parce que il me sert à rien d'autre maintenant. Bah ici il me sert, mais ce que je veux dire en fait tout simplement, c'est que bah lui je peux le laisser allumer constamment maintenant, du fait que je suis en surproduction d'énergie. Grâce à lui qui en 40 et lui qui en a 8, donc ça fait 48 RF. Là il y en a 22, il y a une machine sur deux qui pourrait tourner et être tranquille. Voilà, pour l'instant, je suis tranquille et au pire, si j'ai besoin, je rajoute du charbon ici, éventuellement, il n'y a aucun souci. J'ai fait du Extra Utility 2. Alors pourquoi je l'ai fait? Ceci parce que j'en ai eu besoin en fait pour avoir de la cobble ici. J'ai dû mettre une upgrade qui se trouve là-dedans. Et cette upgrade-là, tout simplement, upgrade, voilà. Non, pas celle-là. Non, celle-là. En fait, il faut utiliser une plaque d'or qu'on met dans la résonante. On clique sur le petit truc que j'ai eu ici, là. En fait, comment? Moi, là, je ne touche plus ma souris. Et en fait, ça clique toujours. Pourquoi? Parce que c'est le créateur qui a fait ça. Maintenant, au lieu de rester appuyé longtemps comme un guignol dessus, on peut l'enlever. Et du coup, ça génère. Hein. Vous pouvez voir actuellement, tac, ça redescend. Ainsi de suite. Dès que vous quittez Lightbox, en fait, ça arrête. Mais bon, voilà. Du coup, ensuite, bah, j'ai juste à me sembler une pickaxe et ça me donne mining qui permet, en fait, tout simplement d'obtenir une cobble à chaque fois. Vous pouvez voir que là, ça monte. Et lui, du coup, comme je le laisse allumer, bah, du coup, il monte tranquillement aussi. Alors, pourquoi je le mets pas, je le fais pas remplir le coffre en fond, ça me sert absolument à rien pour l'instant. Parce que la cobble c'est bien beau, mais pour l'instant, je n'en ai pas forcément besoin. Ici, ok, tranquillou, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, la petite ferme à bois, vous m'avez dit de faire un petit système auto. Sauf que je l'ai fait avant le petit système auto. J'ai réfléchi comment faire correctement pour avoir un beau petit système. J'ai enlevé certains coffres, j'en ai rajouté d'autres. Alors, je vous explique. Tout d'abord, ici, ça enlève en fait le charbon qui se trouve ici pour le foutre là-dedans. Dans un coffre, tranquillou. Hop, ni vu ni connu, pépère. Je lui dis d'insérer du bois en priorité 1. Donc ça va faire directement du charcoal. Qui va ensuite repartir en dessous. Voilà. De la même occasion, du fait qu'il lui faut aussi une insertion de charcoal pour faire cuire forcément du bois. Je l'extracte par ici, je l'insère par derrière, qui va en fait l'injecter ici. En dessous, ça va extraire ici, et au-dessus, bah, ça va injecter du bois. Du coup, ici, je lui demande d'extraire bah, le charcoal. Le charcoal ne peut aller que là-dedans, hein, pour ça qu'il est à fond. Tac, tac, tac. Ici, j'insère que du bois. Ça se voit. Ici, j'insère que des pousses à plat. Et ici, j'insère que des pop-hommes. Et derrière, en fait, j'extracte seulement des haches pour... comment? D'ailleurs, je pourrais juste enlever le filter, hein, mais bon, c'est un basique, on s'en fout. Pour qu'il aille dedans. J'ai vu un commentaire comme quoi tu devrais mettre la hache fluxette, comme ça, de l'énergie RF. Bah ouais, je voudrais bien, sauf que le mode en fait il n'existe pas. N'oublie pas que je suis à 1.9 et il n'y a pas encore le mode qui est disponible, qui est Thermal Expansion. Thermal est en cours est en cours et pour l'instant il n'est pas du tout disponible. Donc du coup, bah je fais ça.
Donc voilà, bon bah la preuve, hein, ça coupe plus. Donc il faudrait peut-être que je refasse des axes et non le parfum. Hop. Donc je prends pas mal de fer, ça va. Il en reste largement ce qu'il faut. J'ai essayé le petit système comme quoi j'enlève comment? Je mets tout simplement le petit système qui fait que au bout d'une certaine durabilité, en fait, la hache l'aspire, le renvoie, et ainsi de suite. Eh ben, ça marche pas très bien, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche absolument pas, ce qui est un petit peu dommage, parce que ça aurait pu éviter quand même pas mal de choses. Et notamment, bah là, bah, ça ne fait que tourner tant qu'il y a des haches dedans. Ce qui viendra plus tard, naturellement, à du mode semi-auto au niveau des haches, et voire de Under-IO, on verra. Pour l'instant, ça coupe bien, hein, il faut dire ce qui est, ça coupe bien et ça me suffit largement. Au niveau du Nether, je l'ai régénéré. Pourquoi? Parce que vu que j'ai changé au niveau des biomes, bah il fallait bien que je le régène, sinon il n'était pas à jour, surtout au niveau de Tinker. Je me suis fait une pioche fortune, Rhynem également, qui me permet en fait d'obtenir pas mal de fortune sur les minerais que je vais miner. Sachant que j'utilise en fait la Silk Touch constamment. Parce que c'est très pratique, notamment pour aller miner, ça évite de ramener des tonnes et des tonnes et des tonnes de minerais. Bah de... Si vous prenez de la redstone, des poudres de redstone au lieu des minerais. Au niveau de la canne à sucre, je récupère tout, puisque j'ai remarqué qu'au niveau des filters, bah, ça bouffe pas mal de canne à sucre. Et au niveau des bibliothèques aussi, ça me bouffe énormément de canne à sucre. Donc du coup... Ah bah, il faut bien cultiver un petit peu de sa canne, qui nous permet en fait d'obtenir tout ce qu'il faut au niveau du papier. Eh oui, c'est bien beau. Donc du coup, je me suis fait juste ceci, des petites allées de canne à sucre. Et du coup, bah, j'ai fait ça pour que ça pousse plutôt relativement moyennement vite, mais plutôt sereinement. Donc du coup, bah, j'ai largement ce qu'il faut. Au niveau des disquettes, je suis un petit peu tranquille. Faudrait voir au niveau du mode s'il y a un système qui permet de stocker ceci plus facilement. Peut-être avec une version d'export. Peut-être, je sais pas. J'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas. Donc, maintenant, on va faire quelque chose d'autre aujourd'hui, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut bien avancer dans le tas. Qu'est-ce que je voulais faire? Il y a un mode que j'aurais bien voulu faire. Ah, il y a notamment le cristal qu'il faudrait que j'y aille. Mais on va se faire une petite usine. Tranquillou, parce qu'il me faut du fer. Et le fer, on peut le trouver qu'avec quelque chose qui est les Iron Golems. Donc, ce qui veut dire faire une ferme à mobs. Mais version golem, donc des fermes à villageois. Cependant... je vais commencer un petit peu. Alors je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre, sachant que je vais déplacer mon spawn. Parce que le spawn il est bien beau là-bas, mais je le préfère pas ici. Il est nettement plus beau. Et en même temps, ça va me permettre de faire ce qu'il faut largement. En plus avec un terrain plutôt correct. Que de refaire tout le parcours à sens inverse pour atterrir ici. Cependant, il y a bien le petit point ici qui est... comment le boss là? Comment il s'appelle le boss là? En plus, ça tire sur un chunk, c'est ça qui est cool. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ces mobs? Les guardianes, voilà, les guardianes, ils sont là. Donc du coup, va falloir faire des fermes. Dites-moi aussi ce que vous voulez comme mode que je présente pour que je puisse le faire correctement et qu'on puisse avancer tous ensemble dans cette série. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut pas mal de redstone, il me faut des blocs, il me faut du verre, il me faut du sable. On va construire un petit générateur de sable parce qu'on va en avoir besoin pour... bah pour faire la farm à mob, je vais les construire en verre coloré, peut-être en verre blanc ou verre noir, je sais pas ce que c'est encore réellement, mais ça serait cool qu'on puisse en faire une. Donc, ce que je vais faire,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit générateur de sable. La sand. Et il faudrait aussi qu'on retaque Forestry. Ça peut être pas mal. Donc, c'est de la cobble qu'on obtient du gravier, et également du sable. Ah, du sable et du gravier. D'accord. Et du flint. Ah oui, on obtient pas mal de choses, quoi. Ok. Ou du verre en sable, ouais. Donc, il faut de la cobble. Ok. Donc, ça veut dire sagmille. Sagmille et chest. Ouais, on va faire des sagmilles. Alors, sagmille. Tac, il me faut des capacitors. Évidemment, j'ai plus de gold. Tac, 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 pouf. Voilà, j'ai du gold. Touc, touc. Un, deux, je vais en faire que deux pour l'instant. Des barres, lol. Piston, je vais en faire deux. Hop. Et... Ah, j'ai plus de flint, gravel. Ouais, bah attends, je vais te faire du flint, moi. Auto-smelt, non, fortune. Je sais pas si ça marche avec ça. Ah, si, ça marche, allez, YOLO. Hop là, j'en ai 6, c'est magnifique. Tranquille, ça sert les haches fortune finalement. Touc. Hop, et j'en ai 2. Me faudrait maintenant des basiques contrôleurs. Me faut un capacitor. Alors pourquoi un capacitor? Parce qu'il me faut stocker l'énergie. Tout simplement. Voilà, j'en ai qu'un, ça me suffit largement. Est-ce qu'on va se foutre un panneau solaire? Je sais pas. Je sais pas si on va se foutre un panneau solaire. Un solar panel. Après, il y a celui de DC2 qu'on peut pas remettre au-dessus parce que j'ai pas encore mis le mode. Tier 4, oui, bah oui, bien sûr. Tier 1, c'est déjà pas mal. Se foutre un tier 1, ça pourrait être pas mal. Que me foutre un autre, putain c'est un peu cher ça. Ah il m'en faut 3 en plus. Il n'y a pas des générateurs, générateurs. Ouais, après il y a tout un système de générateurs. Ouais c'est vrai qu'il y a les générateurs là qui est plutôt pas mal. Machine frame, c'est quel mode ça? RF tools, ok. Avec des underperles, oui bah oui mais j'en ai pas beaucoup donc ça ne sert trop à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour faire des générateurs? Un bon générateur de base. C'est vrai qu'après il y a un IC2. IC2 en générateur c'est plutôt pas mal, sachant que maintenant c'est des RF. Ouais, ça pourrait être pas mal d'en faire un. Ah putain, c'est des plates. J'avais oublié que c'était aussi chiant que ça. Stick. Non, ok. Tiens, on va en faire deux, YOLO. Un petit générateur, tiens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Ouais, forcément, il m'en faut plus. 3, 4. Hop. Générateur en deuxième génération. Tac. Ouais, au pire, je pourrais plus en faire un, mais je préférerais quand même en faire deux. Me faut des tin plates, alors... Hammer. 3, 4, 5, 6... Voilà, j'en ai 12. Tac, pouf, tin... ouais. Il va me falloir encore du tin. Je vais en faire que 3, ça me suffira largement. Tac, non, recule. Tac, un cutter. Et ça va me faire chier. Plate. Ouais, j'ai que du tin. C'est assez chiant, vivement qu'il y a le craft auto, ça m'arrangerait. Duc, pouf, 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 pouf.
Et ça, c'est con qu'ils le prennent pas automatiquement, le hammer. Tuc, 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 pouf, tac. Ensuite, tac, tac. Juste avant, on fait comme ça. Voilà, en plus d'un achievement. Energy Flow. Tuc. Ah bah oui, il faut le rubber. Ah, il faut le rubber. Et j'avais oublié. Un carpenter propolis. Ah, c'est vrai que le propolis, ça peut être pas mal. Propolis dans un carpenter. Centrifuge plutôt. Ok. Va me falloir du rezingue. Tree trap de Isaido. Va me falloir en fait tout simplement de bah vraiment de l'IC2 en fait. J'ai pas pensé à ça. C'est le fameux générateur de base d'IC2. Par contre du rubber, est-ce que j'en ai vu quelque part? Malheureusement, je ne crois pas. Est-ce que j'en ai vu? Je suis même pas sûr que je vais en trouver ici en fait. Oh! Ah oui, c'est vrai, il y a des cavernes un peu partout. Bon bah je vais aller chercher ce qu'il faut hein, parce que je pense que je vais pas du tout en trouver dans l'immédiat. Sachant que ça c'est déjà généré, il va falloir que j'aille par là-bas avec IC2. Bon enfin bref. Je reviens tranquillou. La religion, du coup, bah je suis pas très loin. Et puis là-haut, on a une petite tour. Plutôt des slims, ça c'est trop mignon, mais surtout j'ai les fameux arbres 10 et 2. Je les ai enfin trouvés, j'espère en tout cas que je vais avoir bah, ce que je veux, hein, sinon ça serait un peu con. Ça serait un peu con de ne pas les avoir. Ah là j'en ai un, hop là. Il est passé où lui? Eh oh gros! Putain il est parti loin. Oh c'est cool, il y en a plein. Là, plein de rubber. Ah, et puis c'est cool, comme c'est illimité, ça c'est cool. Bah, illimité. J'ai ce qu'il faut pour l'avoir illimité, c'est surtout ça, mais... Je sais pas si lui, il en a... Non, il doit pas en avoir. Lui, il en a eu, mais c'est tout. Auto-smelt. Ouais, ça, on peut s'en foutre. Voilà. De toute façon, ça va me donner normalement des... Des pouces. Ah non, que dalle. Ah bah, ah bah bien. Ah bah bien. Bah on a foutu que dalle. Que dalle, que chi. Ah bah bien. Ça c'est Dourbus. Eh, donne-moi une sapling. Waouh, une. Oh. Waouh, it's pitiful. Cool du charbon. Et tu veux pas des pop? Voilà. Bon, j'ai toujours la même sapling, j'en ai qu'une de toute façon. Mais c'est plutôt cool parce que comme j'ai du bois, j'ai de la bouffe, je vais pouvoir m'en refaire. Sachant que j'ai de la bouffe ici, tiens, je pourrais la manger celle-là. Ah, oh, j'en ai une deuxième, alléluia. Bon, en tout cas, il n'y en a pas énormément, hein. Ça il faut dire ce qu'il y a. Et ça butine toujours. Ah, c'est des forêts. Ah, elle pique pas. Elle pique pas. Ah si, elle pique. Ah si, eh oh, calme. J'adore les animations qui partent et qui reviennent. Tiens la... comment? La cocotte. Ah oui, ça pique, hein. je suis sadique. J'adore les abeilles qui partent avec elle et elle revient. C'est trop cool, j'adore ce truc, j'adore, j'adore. Bon bah, c'est un petit... Oh, co-tipper, oh yeah. Faudrait bien qu'on ait tous les achievements aussi, ça serait cool d'avoir tous les achievements de cette map. Ok. Ça va la vache qui a pas trop fait un lag de ouf et qui est morte sur le coup. Bon, les moutons je les laisse parce que c'est un peu la merde comme bouffe, mais... Ouais, one shot, YOLO. Bon, moi j'ai de la bouffe, ça c'est bien. On fera aussi de la reproduction massive, parce que là, il en faudra.
J'adore les coups critiques à 1-9. Franchement, c'est la 1-9, elle est pas mal chiante sur certains trucs. Mais en termes de PVP, il faut vraiment caler son coup. Ça peut être chiant par moment, mais franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien la 1-9. Donc, ça va, j'apprécie plutôt bien. Il y a pas mal de foresterie dans le coin, c'est cool. Bon, il y a des arbres qui brûlent, hein, mais bon, ça, c'est normal. Mais, non, franchement, c'est cool. Il y a pas mal de ruches. On se fera ce qu'il faut. Au niveau des abeilles, on se fera un beau champ à abeilles. Comme je l'avais fait dans une saison de FTP. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Hein? Ah, connard! Voilà. Depuis très longtemps, donc du coup, vous avez pu voir que moi et les abeilles, c'est une harmonie la plus totale. En plus, il n'y a pas d'industrie, donc c'est pas pété, hein, et on pourra faire des beaux croisements. Et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Du coup, bah moi, je vais rentrer tranquillement à la maison. Tranquillo. Et puis on va s'attaquer à ça. Je ferai tourner un petit peu le système avant. Ah, ça donne rien. Oh, c'est dommage. Le petit système avant pour avoir un petit peu de sable et autres. Et comment? Puis je pourrais commencer la base de l'arme. De, j'allais dire de l'armure. Bah oui. La base de comment? La ferme à fer. Ça pourrait être bien d'avoir quand même des grosses fermes de fer. Et la ferme que je veux faire va être assez grandiose en termes de golem par heure. Nombre de fer par heure. Ça va être assez grandiose, il faut l'avouer. Moi je traverse par ici, c'est nettement plus simple que autrement. Oui! Hey, salut le cochon, désolé, t'es tout seul. Je te bute. T'as vu ton ami? Ah bah tu viens de te faire défoncer aussi. Donc voilà. Bon allez hop, tout à l'heure. Ah miam 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 miam. Bon, du coup, je suis à la maison, j'ai voulu faire un petit peu ça avec vous. J'ai fait mes deux générateurs, tranquillou. Et maintenant, vous voyez, bon, c'est des EU, sont toujours marqués en EU. Ce qui est dommage, parce que normalement, c'est bien des RF. D'accord, ça marche pas en RF. Et IC2, t'avais fait un... Normalement, t'avais tout mis en RF. Pourquoi t'es repassé en EU? Eh? Pourquoi t'es repassé en U? Ah, Pourquoi t'es repassé en U, sérieusement? J'ai pas les trucs de converteur, moi. Converteur, convert... Non, j'ai pas les... Ouais, j'ai le power converteur, là, mais... Oh! Et on peut quand même le faire. Bon, par contre, il en faudrait deux. Power converteur de open block, de open computer. Ça peut être pas mal, hein. Franchement, ça peut être pas mal de faire du power converteur quand même. Faudrait que j'agrandisse un petit peu la salle là, mais dans le principe des cas, on peut se faire une belle petite raison ici. Sachant que... Ouais, j'aurais dû faire ça autrement aussi. Ça veut dire que celui-là, je viens le mettre là. Qu'il câble là, me faut une wrench en plus. 10 et 2, parce que l'autre, elle ne fonctionne pas comme niveau. En plus, il faut des... Oh, ça va, c'est pas très coûteux, c'est juste... Ouais, ça va, c'est pas... Non, ça va, c'est pas trop coûteux, on peut la faire. Donc je fais la wrench et puis je reviens vers vous encore. Hein. J'aime bien les ellipses, ça évite les choses. Quoique, peut-être le faire avec vous. Ouais, peut-être le faire avec vous. Non, wrench là. Ouais, j'ai pas de bronze de toute façon, donc comme ça. Copper 18. 1, 2. Bravo. C'était dur. J'ai ma wrench. Je fais ça là. Des iron cast. J'ai pas d'iron de toute façon, donc comme ça c'est fait. Small everyday. Oh yeah. J'ai eu un petit peu du mal de le lire, mais bon, je l'ai dit. Tac. 1, 2. Ça devrait le suffire. De toute façon, je l'ai fait. Tac. Des copper.
Copperplate, je n'ai pas fait la copperplate. Tac, il me faut le cutter. Voilà, copper, pouf. Un electronic circuit, il me faut du rubber, il m'en faut même beaucoup. Sachant qu'il me faut un circuit, il me faut 6 câbles, il me faut de la plate. Il me faut 6 comme ça. Copper. Ah, j'en ai que 6 donc. Cutter. Non, c'est pas des cutters, c'est un hammer et ensuite un cutter. Vivement la machine, moi je te le dis. En copper, j'ai quoi? J'en ai 12. 12, il m'en faudra. Ah, il m'en faudra 2 de plus. Donc il me faut un copper de plus. Tac. Alors. Une seule que je mets là, que je mets un cutter. Voilà, comme ça j'en aurai 12, je serai content. Maintenant, il me faut le circuit, il me faut la plate, il me faut les copper cable. Bon, faut 6. Ah, d'ailleurs, j'en avais assez. Ça, c'est cool au niveau de la bouffe. Tac, tac, tac. Rubber. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Je vais en avoir plus parce que l'arbre a poussé. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Malheureusement, non, je n'en ai pas d'autres. Faut éviter de péter l'arbre entier, en tout cas. Parce que ça repousse. Peu importe l'endroit, mais ça repousse. Toi, il faudrait que je te déplace. Je vais te déplacer là, tiens. Comme ça, tu auras le temps de pousser. Toi, je te fais cuire, du coup. Hop. Tranquillou. Ah, le stack est déjà parti, quoi. Hop, un petit cable. Pouf. Niveau des achievements, en fait, j'en étais où? Un cable bulle generator, ce qui est fait. Me demande de passer au macérateur, au four, au tree trap, bulle extractor, bulle compresseur et une bad box. Ok, donc ça demande pas mal de choses. Ouais, ça demande quand même pas mal de choses. Pendant, on le fera pas dans l'immédiat. Mining copper, ok. Style dans un blast furnace, ok. Hop. 3 de plus. Est-ce que lui va pousser? Je ne sais pas s'il pousse à la bonne mille. Tiens, on va essayer la bonne mille si ça fonctionne. Je vais en prendre que deux. Je vais en prendre que deux. Je les fais macérer. Pourquoi je les fais macérer? Parce qu'en fait, en les macérant, l'os, on obtient beaucoup plus de poudre. Normalement, on en obtient 3 quand on le met dans sa malle. On en obtient 6, entre 6 et plus. Parce que on a le flint. Ah ouais, ça pousse instant, très bien, YOLO. Forcément. Ouais. M'en douter. Évidemment, ils sont passés où? Bah, normalement, il faut pas détruire, mais bon, là, c'est... vous êtes passés... Ah ouais, vous êtes partis loin. Putain, ils auraient dû faire le tour de la planète aussi, tant qu'ils y sont. Bon, en tout cas, on a de la bonne mille, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, on les fait cuire, on en aura ce qu'il faut, et normalement, on pourra faire ce qu'il faut. Alors, pourquoi je fais la wrench? C'est tout simplement pour pouvoir retirer le générateur sans qu'il se casse. Seul générateur peut se casser, avec un taux de probabilité, mais il peut se casser. Donc, du coup, bah, c'est bien plus sympathique de éviter de le péter pour en refaire un. Me faut une RE batterie. Tin. Comment ça s'appelle? Rubber. Un rubber cable. Tac. Hop. Hop. Ah oui, merde, il me faut le moteur. Ah, mais ça coûte cher, ça me coûte une blinde. Copper, Hammer,
Désolé, j'en fais beaucoup. Cutter. Il m'en faut combien pour faire le moteur? 8. Et 8, 16. Donc il m'en faut 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merde, j'en ai fait plus trop. Tac, 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 pouf, 1 et 2. D'accord, j'en avais plus. Pouf, tac, il me faut quoi d'autre? C'est chiant que des tin. Est-ce que j'ai encore des tin plates? Ouais, j'ai encore ce qu'il faut, ça devrait le faire. Je l'ai fait dans la main, ça c'est plus rapide. Hop. Un moteur, YOLO, que je fais ça, tac, j'ai fini, tac, tac, hop, hop, j'ai ma wrench, c'est bon. Et la wrench, ensuite, vous la réparez. Comment on la répare? Vous la foutez dans le générateur. Voilà. Et du coup, ça recharge. Pouf. Bon, ça va, ça se recharge plutôt vite, hein. Faudrait que je regarde pour le créateur, parce que normalement c'est des RF maintenant qui sortent ici deux. Se sont mis d'accord normalement les modeurs. Et il me refaut un conduit pour faire ce que je veux. Un petit item conduite. Ah, on descend. Je place ici, ça je m'en fous. Tranquillou, tranquillou, je le place dessus, je fais en sorte que ça rentre dedans, comme ça on est tranquille, que derrière je m'en tape, pour éviter que ça soit collé, c'est surtout une question de principe. Ceci étant fait, maintenant que ceci étant fait, bon, c'est cool, au moins il y a du charbon à gogo là-dedans, c'est cool, en plus ça garde l'inventaire, ça c'est bien. Il va me falloir le power converter de open block. En plus c'est bien, hein, parce que IC2 c'est 2,25 pour 1. Si 2,5 EU pour 1. Énergie conversion speed 500 particules. Ok. Et thermal expansion c'est 10 RF pour 1. Ouais, je sais pas. Je sais plus comment on calcule ça, mais ça va, c'est plutôt easy. Du coup, là, ce qu'il va me falloir, c'est de la clé du cactus. Clé. J'en ai que deux. Tu te fous de ma gueule, il y en a plein en bas, quoi. Ah bah merde, j'ai des briques. Voilà. Merde, j'ai fait directement des briques. Pour moi, ça fera de la brique. Tac, ça casse pas des briques. MDR. Si, si, RPZ. Ça, on peut en faire autre chose que ou pas. Non, on est obligé de les cuire. Bah, cuiler. Hop, j'ai mon premier printed. Tuc, qu'on fout là. Microchip. J'en ai un. C'est magnifique. Me faut quoi là-dessus? Iron. Ah, il me faut des nuggets, c'est pour ça. Le premier truc, hop, microchip. Alors là, c'est la déferlance de comment? Des achievements, hein. Voilà. Et voilà. Vous avez votre power converter. Et normalement, si tout va bien, ce qui veut dire tout va bien, pouf. Je le mets là, ça se connecte pas. Tu te fous de ma gueule. Et j'espère que tu te fous de ma gueule. T'as un power converter, normalement tu convertis. IC2. Est-ce qu'il faut que je mette un câble? Ah, c'est peut-être ça aussi. Peut-être bien qu'il faut que je mette un câble. Un câble de truc et un câble d'énergie. Energy cable. L'épisode sera long, mais sera intéressant. Conductive iron. Redstone.
Iron. Voilà. Vas-y, cuis mon pépère. Moi, je te remets ça là-dedans. Niveau du skate, on est à 49%. Ça va, on est plutôt easy. Et il pleut, bergère. Héron, héron, petit pas, tapon. Mais j'espère qu'on va en tout cas bien s'amuser ensemble sur ce pack. J'essaie surtout de faire fonctionner ce putain de truc, hein, c'est surtout ça. J'espère qu'en tout cas il va fonctionner. Et il me manque du sable. Ouais, il me manque de sable. J'avais vu du sable par ici. Il faudrait vivement que je fasse le générateur de sable hein, par contre. Voilà. Conduit de binder. Hop. 3, 4. Voilà, comme ça on se fait le petit truc qui va bien de la famille. D'ailleurs, je pourrais le cuire largement ici. Voilà. Voilà, j'ai mon petit câble d'énergie, au cas où, vraiment au cas où. Il y a un cable, je vais prendre un copper, 428. J'ai du rubber, normalement, ouais. Voilà, comme ça on se fait pas électrocuter au cas où. Du coup. Voilà. Ouais, par contre, je vois pas si ça se connecte, c'est ça qui est chiant. Eh, ça se connecte pas. C'est quoi cette merde? Eh, alerte au Google. Oh, putain, va falloir ça se connecter. Mais c'est quoi cette merde? Bon. Avant, ça se connectait. Pépé les pépé. Converteur. Ouais, de toute façon, j'ai rien d'autre. Convertis les EU. En RF. Convert EU tout RF. Ah. Quoique, on va peut-être le faire ça. J'espère en tout cas que ça va marcher ce truc. Parce que, bon, c'est bien beau, on fait pas mal de craft, mais les crafts ne fonctionnent pas. Donc, Tingir, pouf, touc, touc, paf. Bon, l'avantage c'est qu'on l'avait fait très rapidement. Merci à Blade hein, pour ça. Voilà. J'ai un électrical. Je vais mettre un câble. Alors, je confirme que ça marche bien. Ruki Redstone, signal to activate. Et en plus t'as besoin d'un signal de redstone pour fonctionner. Oh putain, je vais t'exploser ça. Voilà, j'espère que ça va fonctionner, connasse. En plus je fais un de ces réseaux qui puent. Je déteste ce genre de réseau qui pue. Vivement que je le fasse correctement à un moment. Voilà, pouf. Ça devrait le faire. Et il a besoin d'un signal de redstone pour fonctionner. Maman. T'as besoin d'un signal de redstone pour fonctionner. Bah oui. Bah voyons, mon cochon. Un stick in cobble. C'est bien parce que stick et cobble, ça n'a pas du tout la même idée au niveau des lettres. Ah oui, ça fonctionne. J'ai des RF. J'ai des RF qui montent. Ah oui. Bon, après, il faudrait mettre une carte qui permet en fait d'augmenter sa puissance. Mais dans l'immédiat, on n'en a pas forcément besoin. Par contre, ce que j'aime pas, c'est...
au niveau de sa température. Est-ce que à partir d'un moment ça se bloque et ça évite de péter ou ça pète quand même? Telle est la question, c'est ça qu'il faut voir. Mais normalement ça devrait pas péter. Il est devenu vert, donc ça veut dire qu'il progresse plus. Ou il chauffe trop. Ah, il faudrait que je fasse un petit système que s'il arrive à X milliers de RF ou centaines de milliers RF, ça coupe le signal. Ça pourrait être sympa. Parce que là, j'ai peur qu'il pète. C'est ça que j'ai peur en fait, c'est surtout qu'il pète. Ah non, il est bloqué. Ouais, ça va, 155 RF, YOLO. Bon, il est en jaune. Normalement, il devrait pas péter. Bon, on est à 32 000 RF. Bon, en tout cas, c'est bien qu'on puisse convertir. Bon, on peut convertir, mais normalement, on pouvait convertir différemment. Hein. Là, il suffit d'avoir un seul panneau dessus. Ouais. Bon, j'espère qu'il va rester en jaune. Nous, du coup, on va se laisser là. Je vais raccorder tout ça tranquillou avec un générateur de cobalt derrière. Et du coup, je vous dis à la prochaine. C'était un long épisode, mais on a pu convertir des EU en RF. La conversion ultime. Bon, allez. Bisous tout le monde. À plus.